During an interview in Badalit 9 years ago, Bemba's rebels were already in the Central African Republic's capital of Bangui, where civilians were beginning to complain about human rights abuses. Bemba blamed the attacks against civilians on the Congolese army of then-President Laurent Kabila. We are not there to kill them. We are protecting them, really protecting them. All this move you see of refugee in Congo, Brazzaville and Bangui came from this attack of Kabila to show you that they doesn't believe in Kabila. They don't like Kabila. That's why they ran away. But I think that you may start and see the move of people coming back also, because they know the MLC soldiers are there, and they know the MLC soldiers. Our Condé code is very strict. In one of his last interviews, Bemba spoke to Al Jazeera's Nick Clark. Thank you for having time for us. At his home in exile in Portugal, he denied any wrongdoing and was confident he'd never face trial. You will know that the International Criminal Court has... that one. I'm not, of course, involved in any of these things. Yeah, but what I'm saying is they have you in their sights, don't they? So No. That's not true. Check your information. So there's no question of you ever having to go to The Hague? Que constatons-nous à ce jour? Une enquête partielle. Une enquête bâclée et qui, en définitive, n'apporte au juge, n'apporte absolument pas au juge ce qu'ils sont en droit d'attendre, c'est-à-dire des preuves au-delà de tout doute raisonnable. J'ai dit enquête partielle. L'accusation n'avait pas admis la décision prise par le juge préliminaire. L'accusation a écrit expressis verbis, noir sur blanc, qu'en ce qui la concernait, elle, c'est la responsabilité partagée de co-perpétration prévu à l'article 25.3a avec M. Patassé, qui demeurait acquise, et que c'est seulement à titre alternatif qu'elle prendrait des réquisitions sur la responsabilité de commandement. Dans cette logique, l'accusation aurait dû alors procéder à l'inculpation du co-auteur Patassé. À ce propos, la défense met au défi l'accusation d'apporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable que la RCA s'était dépouillé de toute sa souveraineté en matière militaire au profit de M. Bemba et que l'armée de la République centrafricaine, qu'il s'agisse des FACA, qu'il s'agisse des Libyens qui y étaient, qu'il s'agisse de l'USP, qu'il s'agisse de toutes les troupes qui étaient là, était sous le commandement de M. Bemba. La seule fois que M. Bemba a eu l'occasion de parler devant la cour, il a tenu ces mots. Je veux être jugé, non seulement pour prouver mon innocence, mais aussi pour laver mon nom aux yeux du monde entier, de mon épouse, de ma famille. Et le seul élément qu'on peut suivre, c'est que le procureur a fait une enquête très partielle et que s'agissant du commandement, de responsabilité de commandement, la cour est obligée de faire venir
tous ceux qui ont été commandants sur la chaîne de commandement. Si Bemba ne se retrouve pas sur la chaîne de commandement, on ne peut faire rien d'autre que la quitter. C'est surtout le moment important qui est celui de la question que l'on pose de savoir si il plaide coupable ou pas. Donc aujourd'hui, tout le monde sait de manière très claire, ça confirme ce que nous avions déjà dit depuis le début, c'est que le sénateur Jean-Pierre Bemba est innocent de toutes les charges retenues contre lui et qu'en tout cas, il plaide non coupable. Ce qui est surtout important à relever, ce sont les enquêtes bâclées qui ont été diligentées par le bureau du procureur. On a pu mettre cela en évidence. Bâclées parce que les personnages importants qui assuraient le commandement des opérations des parts et d'autres des belligérants, l'ancien président Patassé et l'actuel président Bozizé, n'ont pas été mis en cause dans le cadre de cette affaire. Ils ne sont même pas appelés comme témoins, ce qui est déjà en normal pour le besoin de la manifestation. D'abord, deux choses. À suivre la lecture des accusations, il s'avère que le dossier n'est pas consistant, comme nous l'avons toujours déclaré. Puisque malgré les 90 minutes accordées à l'accusation, les trois intervenants se sont mis à tourner autour de même point qui n'apporte rien de nouveau et qui ne cadre même pas avec la réalité. À un moment donné, je crois, même la déclaration a frisé les ridicules. Lorsque le procureur déclare que la région de l'Équateur est une région qui est riche en mines, en minerais et qui a des grandes mines d'or à l'Équateur, cela contredit même la topographie et la géographie de notre pays. Ensuite, comme vous l'aurez aussi remarqué, le procureur a passé tout son temps à somnoler, à dormir. C'est pour démontrer aussi l'intérêt qu'il lui attache à son dossier. C'est pour vous dire que le procureur est sûr et certain que l'accusation n'a pas d'argument ou d'élément. Ça, c'est la première chose. De deux, les MRC persistent et signent que ce procès est un procès politique initié pour les besoins de la cause. Le procès a été initié juste pour écarter Jean-Pierre Bemba de la gestion du pays. Et nous demeurons confiants, puisque si la CPI veut demeurer ce tribunal international impartial, M. Bemba devrait être acquitté. Non, d'abord, je crois que les mécanismes mis en place par la CPI empêchent même de citer les témoins. Même si je les connaissais, cette obligation s'impose aussi à ma personne pour ne pas identifier la personne qui a été mise en exergue par l'accusation. Donc, souffrant encore de garder, comment dirais-je, cette personne anonyme et gardant les secrets de l'accusation. Mais il y a un fait à relever, il n'est pas décent que l'accusation puisse reposer ses éléments de preuve sur des gens qui étaient mécontents dans le cadre de la gestion du MLC. On ne va pas recourir à ceux qui nous ont quittés ou bien à ceux qui ont été lésés par la gestion courante du parti pour en faire les témoins principaux de l'accusation. Autre élément, comment peut-on reposer une accusation pour une affaire aussi sérieuse sur les déclarations, les écrits de la presse internationale? Depuis quand les articles de presse internationale deviennent aujourd'hui des éléments de base ou des éléments de preuve irréfutables pour un procès aussi important? Je crois aujourd'hui, ce qui importe pour le procureur, c'est justifier les fonds lui alloués comme budget pendant de longues années, puisqu'il a eu le temps de faire des enquêtes, des recherches, mais qui, en fin de compte, accouche d'une souris. Nous aurions compris que l'accusation nous parle de preuves sérieuses, tangibles, n'est-ce pas, évidentes. Mais là, l'accusation recourt, vous verrez une personne qui viendrait confirmer que sa fille avait été violée. Et nous sommes heureux d'apprendre par la bouche même de l'accusation que Jean-Pierre Bemba n'est pas individuellement responsable. Donc pour l'accusation, M. Bemba doit être le bouc émissaire pour justifier de l'existence de la CPI. Puisque comme vous le savez, depuis que cette tribunal a été mise en place, il n'y a rien jamais de sérieux. Et la preuve, c'est que les pays bien organisés, comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Union, la Russie, j'en citerai d'autres, n'ont jamais
adhérer à ces textes-là, puisque nous croyons que c'est un mécanisme mis en place pour que les puissants briment les faibles. C'est des aléas du direct. Donc vous êtes le représentant du MLC ici au Benelux. Le process passe, on peut dire, sur votre territoire. Quelle est la participation ou la mobilisation que vous avez faite justement pour que la voix de Jean-Pierre Bemba soit entendue aujourd'hui? Merci beaucoup Fabien, c'est vraiment une joie, parce que le constat est clair, le peuple congolais debout comme un seul homme, toute la diaspora, en tout cas de Bruxelles, de la Hollande, de la France, de Londres, sont ici pour encourager Jean-Pierre Bemba dans cette démarche injuste qui lui était infligée. Comme cela vient d'être explicité avec détail par l'honorable Adam Bombolé, le procès politique imposé à Bemba, en tout cas nous en sortirons victorieux. Jean-Pierre Bemba ne peut être ici seul devant la CPI pour répondre des chefs d'accusation dont les principaux protagonistes sont libres. Il s'agit de M. Patassé, de M. Bozizé. C'est totalement incompréhensible. C'est la raison pour laquelle tous les Congolais sont venus encourager, soutenir Jean-Pierre Bemba. Et la preuve en est, les caméras sont là. Ils pourront immortaliser ce moment. Plus d'une centaine de Congolais sont venus, laissant leurs occupations habituelles pour soutenir le MXC et soutenir Jean-Pierre Bemba. Mais au moment où nous parlons, il y a déjà la première partie de l'audience qui vient de se terminer, donc de l'ouverture de ce procès. Vous restez toujours confiant ou bien il y a quand même matière à un peu d'inquiétude? Non, absolument. Maître Gris Kouébé a répondu en nom et lieu de Jean-Pierre Bemba qu'il était non coupable. Il plaidait non coupable face à tous les chefs d'accusation, donc nous sommes sereins. Il faut absolument que ce dossier soit vidé et la preuve sera apportée par la défense de l'innocence de Jean-Pierre Bemba dans le dossier. Merci Monsieur Mbungali, je vous retrouverai certainement à la sortie, à la fin de cette première audience.